plus dur, enfin, j'ai fait le plus dur la dernière fois. Alors, supprimer. Ouh là là, il y a du monde qui a bossé là, attends, qui a fait des trucs. Attends, je vais regarder, regarde, chercher. Donc, attends, modifier. Parce que là, je vois une des maps énorme. C'est quoi ce truc? On dirait qu'il a doublé de taille. Donc là, je retransforme la rivière en source. Alors, je vais la regarder autour de moi. Il y a une source. La rivière primordiale. Alors, j'ai fait le système, Nico, j'ai fait le système où les rivières se rentrent dedans. Parce que là, j'ai fait un test tout à l'heure et la rivière, elle tournait plein de fois autour d'elle. Bon, il y avait trois rivières qui avaient le même nom. Donc voilà. Donc là, voilà, typiquement. On a ouvert la source. Ensuite, alors, donc 1, on l'ouvre, elle va vers le nord. 8, elle va vers l'ouest. 6, elle va vers le sud. 5, elle va vers le nord. Donc elle retourne. Et quand elle retourne vers le nord, elle replonge dans elle-même. Voilà. No one cares. Ok, super. Mais en tout cas, ça marche. Donc voilà, maintenant, les rivières tournent en elles-mêmes. Ensuite. La taille, ah oui, et en plus vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais la taille c'est un ruisseau et puis tout d'un coup ça devient une rivière. Voilà, ça c'est intéressant. Ouais, elle replonge dans le même, elle tourne comme ça, tu vois. Par exemple, elle va, tu vois, vers le nord, l'est, le sud, l'ouest, et là elle replonge, tu vois, elle tourne à vie. Et en fait, si tu es sur un bateau, tu peux tourner en rond toute ta vie. Et tu peux aussi, genre, mettre une roue à aube, tu vois, et elle tourne tout le temps. Ouais, si tu veux, ça fait un lac. Ok, en tout cas, ça marche. Par contre, j'ai un petit moment de flip parce que je m'aperçois que. Attends, encyclopédie, c'est passé quoi? Est-ce qu'il y a des poulpes géants à tête d'arbuste? Qui a fait ça? Alberto. Le banania Alberto. D'accord. Oh, le petit poisson par Mani. Je vois que les gens se sont bien amusés. La tourante tourtoureuse est une tour abandonnée à Esperanza. Bon, bah, je vois que les gens essaient. Ok, ils sont éclatés. Parfait. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va modifier un petit peu à quoi ressemble la rivière ici. Dans l'input. Alors, suis quand même un codeur exceptionnel. Est-ce que vous pouvez le dire ou pas? Alors, ce type. Oh, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah, j'ai besoin de la nature. Hein. Ah, ok. Ah non, oulala. Oui, la rivière a forcément un nom. D'accord, c'est bien, ça marche. Alors maintenant, je voudrais parler de la nature de la rivière. Alors, if je devais pas faire un switch. Pourquoi je fais pas de switch? Parce que je compte, je sais pas ce que c'est. Ici coule une rivière. Ici coule un fleuve. Le cours d'eau. Plonge dans une grotte. Au flanc d'une colline, au flanc d'un rocher. Ok, ça c'est 6, c'est plonge dans une grotte. Ensuite, 10. Ah, t'as raison, je vais faire un lac en fait.
Le lac, ce sera l'autolac, on va appeler ça, d'accord? C'est 13, autolac. C'est dans création de rivière. Alors, si derrière 2, attends, alors, if id rivière 2 égale id rivière, dans ce cas-là, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'en peux plus. Ah. Alors, nature égale, donc ça, c'est si c'est un lac, hein, c'est 13, c'est à l'autolac. Else 14. Non, else 12. Appelez ça nature 2, comme ça on n'a pas trop de problèmes. Voilà. Allez, on reteste encore, ok? Comme ça crée un autolac, on le verra tout de suite, création de rivière. Ok, je regarde autour de moi. Donc là, je le refais. La rivière primordiale. Alors, à quoi elle ressemble la rivière primordiale? Déjà, elle se termine en 6, ce qui n'est pas normal. Donc, alors, elle va vers l'est. Alors, 1, 1, elle va vers le nord. Ensuite, elle va vers l'est. Ensuite, elle va encore vers l'est. Ensuite, elle va vers le sud. Ensuite, elle va encore vers l'est. Ensuite, le sud. Et elle s'arrête. Pourquoi? Mystère. On va la suivre. Je vais aux toilettes, je reviens. Donc, déjà, c'est bizarroïde cette espèce de id map énorme là. Envie de voir jour. Donc, jour, se rechercher. Voilà. Élévation, plante. Genre la zone qu'il a découverte. J'ai peur qu'il découvre de lui-même le truc, quoi. Non, en fait, non. Ouais, s'il y a quelqu'un qui a découvert ça. En fait, c'est vraiment une zone qui existe. Alors, rivière. Je vais quand même regarder jardin. Ok, donc
C'est bizarre. Bref, c'est bizarre, bizarre. On va suivre la rivière, d'accord? Alors, la rivière, elle va d'abord. La rivière primordiale. Elle va vers le nord, d'accord? Donc, on va essayer d'aller vers le nord. Donc, je vais vers le nord. Hop. Elle est toujours là, ça marche. Je suis toujours dans la jungle qui s'appelle Étude sur les sources anormales. Ok? Ensuite, elle va vers l'est. Donc là, je suis sur un bocage de terrain plat. Mais effectivement, il avait déjà été découvert. Donc ça, c'est normal. Il y a toujours la rivière. Je la suis, hein. Ensuite, je vais encore vers l'est. Elle est encore là. Super. Ensuite, 6, je vais vers le sud. Un pilier écroulé, d'accord. Elle est encore là. Une terrible tempête qui en plus. Ensuite, il va encore vers l'est. Ok. Est-ce qu'il y a encore la rivière? Ouais. Ensuite, deux fois vers le sud, et c'est là qu'il y a le problème. Alors, le sud, la première fois vers le sud. Ok, il y a encore la rivière. Et ensuite. Ah, et là j'ai découvert un marécage. Attends. Attends, je reviens vers le nord. Là j'ai la rivière Permatale. D'accord, ok. Effectivement, elle s'est arrêtée, mais il y a, en fait, c'est là que ça se passe. Donc c'est quoi? C'est toutefois il n'y a plus de terrain, c'est celui-là. Après, c'est cette SQL qui déconne grave. Alors on va la tester. Inserted to rivière, id map, blablabla. Donc là on met 1. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche. Donc ça ne va pas. Donc du coup, on va printer, voir si ça marche. Print. Voilà. On la met en ligne. Il y a juste un tout petit bug. Ok, la dernière fois, je n'avais pas fait en entier. Il y a un petit bug maintenant. Donc là, je dois être là. Je vais faire supprimer. Alors, c'est parti. Modifier. Donc là, on enlève son nom. Et je mets une nature de 0. OK? Voilà. Maintenant. Je mets en ligne ça. Je rafraîchis. Et là, non, je devrais avoir une source sous mes yeux. Ok, source. Je l'ouvre. La rivière primordiale. Primordiale. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la rivière primordiale? D'accord, elle a tout de suite, elle est tout de suite allée là où il faut pas. Donc je l'efface et on va encore essayer à nouveau. Là, elle est arrivée sur un terrain plus haut tout de suite. Donc elle s'est arrêtée. On la refait. A l'air de mouliner. Ah voilà, parfait. Ah voilà, il manque ça. Super. Père! Alors montre-moi. Montre-moi ce que ça fait. Ouais, voilà, très bien. Ça n'a pas marché. Parfait. Alors attends. Son problème, c'est qu'il n'a pas trouvé la première valeur. Sinon, tout était bien.
Donc c'est ce IDMAP rivière qui ne marchait pas.